que ça puisse voilà, le regorger d'énergie pour la suite de son combat, parce qu'il y a ça aussi en parallèle à ce chantier. Et quoi qu'il arrive dans la vie, ben, c'est un pas devant l'autre. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse une ovation. J'espère qu'ils sont là parmi nous. Je pense que oui. Peut-être qu'ils sont encore sur le chantier. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Isabelle et Eric, s'il vous plaît. Et on prendra le temps, posément, de rentrer un peu plus dans les rapports humains. C'est une aventure qui est bonne à vivre, et vous l'avez vécu tous ensemble, dans une telle énergie. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse une ovation, j'espère qu'ils sont là parmi nous, je pense que oui. Peut-être qu'ils sont encore sur le chantier. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Isabelle et Eric, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont comme ils sont, c'est vrai que... Ils ont su se faire adopter par vous tous. Ils ne repartiront pas, je vous en supplie, j'en ai besoin. Et infiniment merci à tous les distributeurs de matériaux, s'il y en a dans la salle, infiniment merci à vous, parce que vous êtes les Pères Noël, parce qu'amis artisans, vous qui avez de l'or dans les mains, si vous venez me donner de votre temps, mettre des ouvriers à dispo, des apprentis, etc., c'est vrai que si vous n'avez pas la canne, si vous n'avez pas la matière première pour bien bosser, bah c'est vrai que bah vous dites au revoir et vous reviendrez, et vous revenez quand vous avez de quoi bosser. Donc infiniment merci à tous les distributeurs de matériaux de la région. Infiniment merci à tous les bénévoles, toutes ces petites mains qui ont géré l'intendance, qui ont géré les repas. Merci à tous les traiteurs, merci à la confrérie pour cette omelette géante vendue au profit de ce chantier. Merci à vous tous, parce que chacun à votre manière, vous avez contribué à cet élan de solidarité. Et comme je l'ai dit le premier soir, au-delà de ce chantier, c'est 3 millions de personnes qui voient de ces valeurs d'entraide, de générosité, qui voient que le monde, on peut le voir différemment, et que quand on est... face à une information internationale qui nous fait flipper, bah on peut revenir aussi à des vraies valeurs ici dans notre pays avec une proximité. Et donc c'est ce que l'on montre chaque semaine, et ici c'était dans votre pays. Je vous remercie infiniment de tout ce cœur que vous y avez mis. Et quand je vois les sourires, quand j'ai vu tous ces sourires aujourd'hui, c'est vrai que bah, 3 semaines plus tard, il y a de la fatigue, mais il y a du contentement, il y a de la fierté, et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Pascal, c'est quoi le chant de guerre dans le pays? Le chant traditionnel? Hein, comment?